peu. Sinon, Amande va râler. Bah, elle est déjà en train de râler dans le chat. Ta gueule, Amande. Putain, ça me. Ça me casse les couilles, j'ai que tard. Il faut que je vérifie que j'ai bien tout préparé et tout. Parce que demain, si je veux stream, il faut que je prépare tout ce soir. Mais j'ai encore de la muscu à faire. Une soirée chargée. Hein. C'est qu'il a fait de l'armure en plus. Il a pas fait l'ARM. Quand même XD hein. Je vais cookie je pense. Faut faire gaffe à son all-in level 3. Pourquoi il a Q là? Ok. Ah, on est bien, il vient un peu de se niquer sa lane. Dommage, il y avait peut-être un truc. Faut un coup kill, 40 secondes, 35. Je vais pas prendre pote, je vais attendre. Il est peut-être en train d'essayer de TP. Yep. Ça paraît logique. Il faut pas rester low HP. Malheureusement, je ne peux pas contrôler ce genre de choses. Ok. Renekton ne peut pas TP bot. D'accord, le seul truc qu'il est venu faire mid, c'est me voler de l'XP et me voler le canon. C'est un peu ridicule. Malfit m'a l'air complètement con en fait. Bon, on va avoir un problème direct dans la game je pense. Elle peut 2v1. Elle débait sur Xin. Oh, il y a une auto qui part quand même, c'est grave.
J'avais qu'il allait turn, mais je comprends pas trop comment son auto part. Aïe, aïe, aïe. C'est triste. Il était pas 6. Et il prend, et ça, il arrive quand même à gagner sur ça. C'est grave. Ah. Le truc, c'est le combo, genre... Il est bump, son stun part quand même. Et je flash et son auto part quand même. C'est vraiment très unlucky. Oh, ça casse les couilles, putain, je suis tellement bien si on gagne un 1v1 là, il a... Bon, il fout le tank, quoi. On peut plus le tuer, j'ai pas les dégâts. Oh, ça me casse les couilles. Il a un level d'avance avec la TP. On va le tuer Lucian. Ça se goupille bien pour moi. Il a perdu full temps au bot. Je récupère une assist, lui rien. J'ai une plate, on me fait perdre du farm. J'ai chapter avec la plate. On est bien. Ça nous remet un peu dedans. J'avais un petit lead CS, mais je m'en veux quand même. On aurait dû gagner ce 1v1, c'est dommage. Je pense que sur le move, je dois peut-être cancel mon R un peu plus tôt. Parce qu'en fait, la hitbox du R est un peu chelou. Avec Vel'Koz, genre la hitbox du R peut peut-être me... Je pensais qu'en tournant un peu ça allait le toucher, ce que la hitbox du R Vel'Koz, quand le mec se colle au corps à corps avec un perso qui a pas de range, genre qui est à 125, je lui mets les dégâts quand même et je le burn. Du coup j'ai essayé de tourner pour, mais j'aurais peut-être dû cancel le R du coup. Et après, bah ouais, je trouve que c'est juste un peu une kick, son stun part et après son auto part aussi. Mais bon, il a bien joué, j'aurais dû jouer un peu plus safe, j'aurais dû mettre un trinket et jouer le spacing dans le fog, ici. Bon, il reclique droit au bot, je peux pas y faire grand chose. C'est le timing où je suis à la base et où on avait donné la pressure bot. Je n'y peux pas grand chose. Il reprend 2 KP gratuits. J'essaie de prendre plate. Le problème, c'est ça en fait. Nice design. Pas de mana pour l'aider, anyway. Je comprends pas ce que fait le Malphite dans la game.
Cormorbot. Avec ton reprendre un kill. Yep. C'est lui que j'ai touché. Hein. Ok. Ok. Je reste là pour une wave. En espérant qu'il n'y ait pas Irelia qui fait un clic droit mine. Ça me fout le tilt. Ça me fout le tilt. Obligé de flash pour essayer de le kill en fait. Le problème c'est que là quelqu'un va arriver derrière le Ziggs 100%. Et Renekton gagne en side contre Yaz. En fait le problème c'est que ils ont deux side lane gagnantes. Renek et Irelia. Il a fait du Fidity par contre, contre notre compo. Honnêtement, la compo en face peut juste m'empêcher de jouer s'il me focus. Il fait des tabis, on est full AD. Hein. Je sais pas. Le Ziggs est à la base là. Intéressant. C'est un animal, hein. Il a déjà fait la même au top. Sur la minimap, on a vu Lucian râler. Il a raté son R sur la Irelia top, mais genre là, c'est vraiment genre... pique mal fit pour faire ça dans la game, c'est vraiment ridicule. On y vient de solo lose la game. Déjà qu'il se fait solo kill par Irelia level 3 en lane.
Asmalfit en weakside et que notre strongside full win, c'est vraiment une honte. Hein, mais... Ouais, je suis mort. TP Renek. J'ai même pas vu où il a TP. Je sais même pas pourquoi il a R. Faut lui citer. De toute façon, je vais pas trop pouvoir jouer dans la partie. Elle gagne. Heureusement, il a un flash. Il aurait dû peut-être flash le R, honnêtement. C'est une mort. Yep. Bon, de toute façon, il pouvait pas vraiment s'échapper. Mais je vois pas trop comment on va gagner contre la frontline en face. Ils sont juste à faire de l'armure et on ne peut rien faire. C'est moi qui suis censé burn leur frontline, mais je ne vais pas pouvoir le faire vu que Rakan va me permacancel. Sur le combo de Rakan, il a juste à mettre un R avec son Ziggs. Et je suis mort, je peux pas DPS Xin Zhao. Là, Irelia peut me trichot. Xin... Ouais, on a dit on peut pas le toucher. Je sais pas trop comment je vais pouvoir poser des dégâts, mais on verra. Je suis mort. Ça va, il a raté son W. Ah, tu sais, comment tu veux qu'on trust le Malphite en fait? Genre. Moi je le truste pas, hein. J'ai même pas envie d'écouter un call du Malph. Genre. Il arrive à rater des R Malphite, je veux dire. C'est un main top qui a. Genre non-ironically lock Malphite. Parce que c'était pas mal dans la game et il arrive même pas à R le mec en face, genre. Bon, après, on a Lucian Jungle. Ça aide pas. Pourquoi il go in? Je suis mort du red buff. Je mets oui, hein. On peut pas gagner. Ah, il est autofill. Ok. Mais le Malphite ose flame le jungle, je. Je n'en reviens pas qu'il est en train d'écrire ça, je. Il y avait juste Lousin de toute façon. Il y a vraiment rien à tirer de la game là. On peut juste pas play. Hein. 31 mid. C'est un peu long à faire, Nash.
peut peut-être deny un ou deux camps. Ça a dû être clear. Yep. Honnêtement, on peut rien faire. L'IRL, il y a peu, quasi un V5. Ça aurait dû stop watch, je pense. Un peu disrespect le bot mobi Aurélien. Et pas de flash. Oui, je pense que ça va bien se passer. Oh, on peut juste pas trop jouer avec l'avance qu'ils ont. Parce que bon, en soi, si c'est pas sur ce timing là que Rakan me go in dans le teamfight quoi. Jacques troll le top. Mais bien. Pas grand chose à faire. Et je reviens toujours pas du move au Drake. 1300 LP. Pourquoi il dote, je sais pas, genre. Je comprends pas. En plus, il rend la game complètement unbalanced. On est 3 masters et un GM 500. Ils sont 5 GM 700 et un Chal. Il rend la game complètement unfair parce qu'il est à 1300 LP et en plus de ça, il lock Malphite pour genre pas hit son R en fight. C'est...